Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, ça fait le rire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller tester ce bugger sur le Trunks ou Legendary Finish de ce Legends Festival qu'on a chopé lors de mon précédent live. Merci à tous ceux qui étaient présents lors de ce live, c'était incroyable. On était nombreux, c'était vraiment la folie. Juste avant de partir en PVP les amis, je dois vous faire part d'une grosse annonce. Demain, ce vendredi 3 décembre, je suis invité par France 2 pour participer au Téléthon, l'émission diffusée à la télé. Je serai en compagnie du frérot YKSLidian31 et Shiny, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, à partir de 20h, ce sera diffusé directement sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez la retrouver en description. Donc, n'hésitez pas à aller vous follow si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez le lien de ma chaîne Twitch directement dans la description. Et aux alentours de minuit, minuit 30, normalement, eh bien, on sera directement accompagné de Samuel Etienne, l'animateur à la télévision. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Encore merci, cœur sur vous, parce que c'est également votre soutien qui nous permet d'avoir ce genre d'opportunité, c'est un délire. Bref, les amis, voilà, le programme est pris directement pour demain, 20h, rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Maintenant, parlons bien, parlons peu, parlons beaucoup, ou pas. Ce Trunks, épée Genki Dama Legendary Finish, on va aller voir un petit peu de quoi il est capable. Je vais faire plusieurs teams justement dans cette vidéo, alors on va regarder déjà au niveau de son main, tire la carte d'art ultime, hein, voilà, avec son épée Genki Dama, s'il ne reste plus qu'un survivant sur le terrain, vous pouvez le LF avec la fameuse attaque Genki Sword. Donc, coup du dernier espoir au tour suivant, régène la force de 20%, donc vous allez récupérer 20% des points de vie, vous allez également récupérer 42 ki, et ça augmente de 20% les dégâts pendant 30 secondes. Octroie un bonus de stats réduisant de 50% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 30 secondes. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un main qui est plutôt pas mal, et au niveau des passifs, le passif numéro 1, si tu commences directement avec Trunks d'entrée de jeu, t'as 90% de dégâts supplémentaires. Tu vas augmenter tes dégâts de 90% quand tu vas frapper. C'est un délire. C'est pas terminé. Ça réduit également de 30% les dégâts si tu te fais prendre en combo directement dès le début du combat. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et à chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Ça te régène le ki de 30 et ça augmente de 30% les dégâts infligés par le prochain art physique utilisé. Donc ça, c'est les strikes, d'accord? Ça augmente de 30% les dégâts infligés par le prochain, par la prochaine strike. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, lorsque vous êtes sur le terrain ou que vous êtes replié, ça réduit de 10% les dégâts subis pendant 10 secondes. 30% max, voilà. Tu peux pas avoir plus de 30% à chaque fois que l'adversaire utilise une strike, une blast, une spé, ou du coup, éveil, etc., ultime, etc. Lorsque vous êtes sur le terrain, quand vous faites ressusciter un personnage, donc c'est les persos revive, et bien du coup, une fois qu'ils sont à zéro, qu'ils vont revenir à la vie, par exemple le Gohan LF revive de type violet, vous savez déjà qu'il récupère 70% de ses points de vie. Et bien là, du coup, il va récupérer 70% des 70% qu'il devait récupérer. Donc autant te dire que là, ça réduit encore du coup sa jauge de vie quand il revient à la vie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est un petit contre-revive, tu vois. Et ensuite, au niveau du passif numéro 2, en cas de mise à cover, parce que bah, il a une cover, le Trunks, sur les strikes, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu peux renchaîner directement avec une spé une fois que tu as fait la cover. Lorsque vous êtes sur le terrain, chaque fois que vous subissez une attaque voilà, de l'adversaire, votre jauge unique augmente, car oui, le Trunks LF a une jauge unique. Lorsque la jauge unique est remplie, en gros, ça réduit le ki de l'ennemi de 60. C'est énorme. Et ça régène la force de 15%, augmente de 40% les dégâts infligés et annulation impossible. Donc là, ça, c'est vraiment fort. Augmente de 40% les dégâts ultimes infligés, annulation impossible également. Et ça augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art. Donc Blast, Strike, etc. Au début du combat, si deux autres classes lignées royales de Vegeta ou Future font partie des combattants, en gros, ça régène une seule fois la force de 25%. T'as une survie au chaos, voilà, ça descend à zéro, tu récupères de la vie avec le fameux Trunks LF, à condition d'avoir des personnages, deux autres persos de la lignée royale de Vegeta, remplacés, hein, voilà, avant c'était la famille royale de Vegeta, maintenant c'est la lignée royale de Vegeta, ou de la classe Future. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas obtenir justement les 25% de régène. Donc voilà, au niveau des passifs, une carte verte vraiment également intéressante. Elle détruit l'intégralité de tes cartes et ça t'en pioche 4 au hasard et ça augmente de 20% la jauge unique. On a vu ce que ça donnait la jauge unique. Donc c'est vraiment très intéressant et ça augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Augmente de 20% les dégâts infligés par le prochain art physique, etc. Et il y a également la super saignée sur les strikes. Attaque physique tranchant, lorsque l'attaque touche l'adversaire,
30% de chance de lui infliger super saignée. Alors pour les nouveaux joueurs, c'est quoi la super saignée? En gros, quand vous tapez, si la super saignée s'active et que vous avez été un peu chanceux avec les 30%, et bien du coup la vie de l'adversaire va continuer à diminuer, et ça pour le coup c'est vraiment intéressant. Donc j'ai fait deux teams, on va partir avec les deux teams en PVP. J'ai fait une team, voilà, lignée royale de Vegeta, avec justement le Vegeta SSJ God Zenkai en leader. Comme ça au moins si je pars avec lui, eh bien il va donner le boost à toute la team, alors que normalement il est divin. On connaît que maintenant les leaders, on peut mettre ce qu'on veut. Et j'ai également fait du coup une team métisse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, elle est là avec le Gohan LF Revive, avec le Gohan LF Zenkai. Voilà, là par contre il n'y a pas de survie au chaos si je ne pars pas avec des personnages de la lignée de la famille royale de Vegeta, la lignée royale de Vegeta. Donc on verra un petit peu ce que ça donnera. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort? Et bah du coup les amis, on va commencer avec cette team. On est parti. Yeah, grosse team GT avec le duo à 13 étoiles de Goku Vegeta. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, on va partir comme ça. J'ai mis le Trunks parce que voilà, en début de combat il va taper à 90% supplémentaire. Par contre là, 13 étoiles, le Goku en duo avec Vegeta. Ah bah quand même, hein, regardez, hein, 13 étoiles le monsieur, hein, faut, ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, let's go les amis, hop, on active les lunettes gunnard les amis, et puis on est parti, allez, let's go. Ok, ça passe. Ok, la cover forcément. Ok, parfait ça. Belle tempo là que je viens de lui mettre. Hop, le main. Comme ça on a baissé le coup des arts physiques, les strikes. Ok. Ish. Voilà. Il est résistant là le Gogeta. Très très résistant. Ok, ça passe. Oh bah ça c'est pas mal ça. Ok, ça aussi c'est pas mal. Et pour l'instant on est sur un perfect. On est sur un perfect les frères. Ok, mais le Majoub, il a une survie au chaos. Bon, normalement ça va pas le fumer non plus, mais on est pas mal là dans la game. On est pas mal. Oh la vache. Oh bah là, bye bye. Bye bye. Voilà. Parfait, allez. Ich. On est bien. Oh là là. On est bien dans cette game. Ah là les frères, là on est bien. On est toujours sur un perfect, hein. Je tiens juste à le préciser quand même. Du coup on Rising Rush, on se pose pas de questions. Allez, me contre pas, ça m'arrangerait. C'est fort là. C'est très fort. Très très fort. Extrêmement fort. Allez, cuisine. Allez, mange la confiture. Ouh. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Oui! Il quitte pas. Il quitte pas! Légendaire finish pour ce premier combat, les amis. Oh là là. Exam! Mina! Pas! Oh là 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 là. La beauté, la beauté. La beauté, les amis, la beauté. Oh là là. Ça fait plaisir. Légendaire finish. Incroyable. Ce premier combat, les amis, il est incroyable. 13 étoiles, le duo de Goku Vegeta, on l'a pas vu. C'est parti vite à la cuisine, on n'a rien vu du tout. Franchement, bon bah voilà, en lignée royale de Vegeta, ça cogne plutôt bien. Ah oui, première victoire du jour, du coup on prend 100 points, c'est pas mal ça. C'est pas mal, game suivant. J'ai changé de team parce que là, clairement, ça m'a saoulé, les lags, etc. Donc bien évidemment, je vous les mettrai pas dans cette vidéo, il n'y a pas d'intérêt pour vous. Donc là, voilà, j'ai pris la team Métis. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Le Trunks en leader, comme ça, voilà, il fait bénéficier... de sa cap Z à tout le monde. Et bien évidemment je le mets en premier parce qu'il frappe à 90% dès le début du combat. Par contre là faut faire attention quand même parce que il a une belle team, il y a du Goku A également, c'est anti-métis, donc le Goku A peut faire vraiment très très mal et ça m'arrangerait qu'il valide un petit peu. J'espère que cette fois-ci il va pas y avoir de lag. Voilà, le problème c'est que là le jeu il est vraiment très bon en ce moment des Belgians. Par contre les lags parfois ça saoule un peu. Ok, donc là voilà, il nous a mis le Goku A, le Goku Vegeta en duo et le Gata Izamasu. Ok, très belle team. Très belle team. Let's go les amis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Pourquoi pas refaire un petit LF comme tout à l'heure. Ça serait plutôt cool, surtout qu'il est magnifique le LF de Trunks.
Allez, let's go. Ok. Ça lag un peu quand même. Hein. Ça lag un petit peu. Ok. Ouf, il m'a fait mal quand même là. Ah, ça lag un peu. Hein. Et moi j'ai pas pu esquiver, voilà. Ok. Putain, qu'est-ce qu'il frappe fort lui aussi. Le duo, il me le faut. Le duo, il me le faut. Ok. Tap attaque. Le Goku A. Ah, je suis pas bien là. Oh la vache. Oh les dégâts. Oh les dégâts de Goku A. Bah 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 bah. Normal, un contre-type. En plus, face à du métis. J'ai ramasse là pour l'instant. Ok, parfait. Let's go. Ok. Let's go. On va ramener le Trunks là-dessus. En plus, là, la jauge, elle est bien montée. Je vais faire la verte avec, là. Voilà, comme ça, on remet des cartes dans la pioche. Ish. Il résiste, hein, le Gataille. Hein. Ok, let's go. Ça. Et là, ça va faire mal. Pam, pam. Magnifique, quand même. Magnifique. Donc là, c'est face à Goku. Je pense pas que ça va le tuer. Oh non, non, elle est magnifique. Par contre, il a mangé quand même. Voilà, on a remis des cartes. Voilà. Voilà. Ich. Voilà. Allez, allez, allez. C'est de la remontada, là, qu'on est en train de faire, là. C'est de la remontada, les frérots. Il aurait pas dû. Il était en perfect dodge, il aurait pas dû faire le pas de côté. Là, il a fait une erreur. Ok. Donc, de toute façon, lui, survit au chaos, donc c'est pas très très grave. Ok, putain, là, les dégâts. Oh là là. Le Vegitada. Elle est magnifique, quand même, la carte duo. Franchement, elle est magnifique. Il m'a one combo, là, le Gohan LF. Heureusement, il revient à la vie. Tosan, let's go. Allez. Voilà, il a attendu. Et là du coup, bim. Voilà. Et là l'aspect, ça tue. Magnifique. Magnifical. Magnifical. La confiture. La confiture de fraises. Parfait ça. Je sais pas si ça élève. 1 million 8, ça fait juste hein, quand même. 1 million 8, je pense pas que ça va élève. Vu que j'ai perdu personne dans mon équipe. Ouais, ça élève pas, ça élève pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On est pas mal de toute façon là. Itch. Parfait. Let's go. 954 à 953, on est pas mal là. Ok. Prends le temps, prends le temps. Ne te précipite pas. Voilà. Et on le termine avec Trunksuru. Bon, on a fait une belle remontada quand même dans cette game parce qu'au départ, on était un peu mal barré. Et pour le coup, bah on a vu que voilà, même le Trunks LF là, en Team Métis, ça va bien. Franchement, ça fait mal. Voilà, clairement, ça fait mal. Ok, donc là, Vados, tout ça, donc elle risque de soigner. Va falloir faire attention, en plus ça ramène du pivot. Je vais partir comme ça, hein. Je vais reprendre les mêmes. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est une Team Saiyan en face. Elle peut être embêtante cette team. Elle peut être embêtante. On va voir un petit peu du coup ce que ça va donner. Les amis, comme d'hab, un max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous le redis, hein, n'hésitez pas à aller vous follow également à ma chaîne de Twitch qui est dans la description de cette vidéo. Demain 20h en direct de France 2, les amis, pour le Téléthon. Accompagné des DK, Lilian et Chimie. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse. Bien évidemment, on ira faire des invocations, des duels invocations également contre le frérot de Case. Il y a moyen de faire des trucs plutôt sympathiques, donc je compte sur vous. Et puis bon, on verra bien ce que ça donnera. Bon, alors du coup, ah ça y est, ça charge. Je croyais que ça allait faire erreur de connexion ou quoi. Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de lag. Allez, on est parti. Allez, 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 allez. Allez le jeu, si tu veux bien le jeu. Ok, let's go.
Ok, donc là, je ramasse un peu quand même. Voilà, on va faire ça. Ok. Ok. Parfait, ça. Voilà. Ish. Voilà, comme ça, ça a soigné le Trunks. Parfait. Bien joué, bien joué. Il a avancé gentiment. Il a très bien joué là-dessus. J'ai pas réussi à esquiver. Dommage. Il joue bien en face. Franchement, il joue bien. Donc là, non, voilà. Je vais faire ça. Voilà. Pas mal, il tempo bien en face. Il joue bien. Franchement, il joue bien. On va faire attention, là. Parfait, ça. Allez. Let's go. Ok. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce Vegeta number one. Là, il aurait pas dû foncer comme ça, tête baissée. Parce que là, il va ramasser. Là, il va ramasser. Là, il a fait une erreur, là. Ouais, je m'en doutais. J'ai bien fait de switcher sur le Trunks. Donc là, je le vois faire. Parfait, ça. On lui a mis une belle tempo dans la tête, là. On lui a mis une belle tempo dans la tête. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Allez, on le tue. Ah, il switch. C'est pas mal du tout, là, ce qu'on est en train de faire dans la game. Franchement, je trouve que là, on joue pas trop mal. Surtout que le gars en face, il joue bien, en plus. Allez. Ok. J'en profite, voilà. Il a disparu, donc là, on peut rising rush. Eh ben oui, monsieur. Voilà, il a disparu, donc là, bah forcément, j'en profite. Hein. Là, j'en profite direct. Hein. Ok, ça passe. On est pas mal. La game est très intéressante. Franchement, on est pas mal. Ok. D'accord, donc là... Là, il me voit arriver. Bagarre. Ok. Ça passe. Ça passe, ça passe. Ah, ça lag un peu. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Eh, forcément. Allez. On va mettre l'aspect, tiens. On va mettre l'aspect. Bon, du coup, là, en plus, normalement, il a pas la survie au chaos parce que je n'ai pas de personnage futur ou de la lignée royale de Vegeta. Donc là, le Trunks, il meurt. Bon, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique. En tout cas, franchement, on a pu voir quand même un Trunks très, très intéressant dans cette game. Hein. Très, très intéressant. Allez, let's go. Allez, serrer la game. Hein. Allez, serrer la game. Mais on est quand même pas mal. Là, là on est quand même pas mal. Allez. Voilà, là on se pose pas de questions. Ich! Vados, que cheval à la cuisine, KO! Allez, dégage. Hop, là aussi c'est pareil. Il va laisser le LF ou pas? Il laisse le LF ou pas? Il va quitter. Il va quitter. Il quitte pas! Allez, LF encore! Le deuxième de cette vidéo, mesdames et messieurs! Ah! Voilà! Ah là 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 là! Le LF du Trunksu! Le élève du Gohan-san, ça fait plaisir pour la vidéo. Ça fait plaisir de tomber sur des joueurs voilà, qui ne quittent pas l'heure des élèves parce que bah, des fois c'est chiant, t'as les persos élèves, tu veux élèves et finalement tu vois pas leur animation, c'est un peu galère. Bon, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé, en plus ils jouaient pas trop mal. Ok, Team Future en face de nous avec le Trunks également, donc lui par contre, lui il aura la survie au chaos. Enfin, il va récupérer du coup de la vie, on va repartir avec les mêmes, il va récupérer de la vie parce que là, il a que des persos futurs, comme vous pouvez le constater. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Pas falloir bégayer quand même en face. En plus, c'est la team Akatsuki. Akatsuki, ça me parle. Ça me parle, je crois que j'ai déjà vu ça sur Twitter. Par contre, oh là. Ok. Et moi, ça marche, ça marche pas. En ce moment, le PVP, c'est un peu compliqué. Hein. On a vu que là, avec leur mage, etc., il y a eu une mage prolongée.
C'est assez compliqué, mais bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est bon, ça a l'air de bien charger. Ok. Donc, il a pris le Gata également. Et bah, let's go. On est parti, les frérots. Ok, ça passe. Ok, la cover, forcément, de Trunks Lu. Oh là là, il envoie direct. Oh la vache! Oh la vache! Oh, c'est compliqué, là. Je ramasse quand même, là. Là, j'ai ramasse, hein. J'ai ramasse. Allez. Pas mal. Ok, ça joue bien, là. Franchement, il joue très, très bien. Je suis mal barré, là. Je suis mal barré, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Allez. Ok. Donc là, il met le rosé. J'ai du mal à trouver sa tempo. Voilà, ça c'est bon, ça passe. J'ai pas de spé, dommage. Mais du coup, ça passe quand même. Allez. Il me remet sa cover. Allez, stylée la cover de Trunks quand même. Pas grave, voilà. Parfait. Allez. Ish. Ish. Voilà, là on a la jauge, hein. Donc j'en profite. Oh la vache, putain, c'est régène. Allez, me contre pas, ça serait bien. J'en ai profité, comme j'avais la jauge unique remplie de Trunks. Faut taper, hein. Oh non, il m'a contré. Voilà, donc voilà, lui, j'ai pas pu esquiver, purée, mais c'est chaud. C'est chiant, quoi, c'est trop chiant. La game, elle est serrée, je le fais venir, je vais esquiver, j'ai pas pu. Bon. Ok, revive. C'est dur, les amis, c'est dur. C'est dur. Allez. Allez, chaud de la game. Hein. Franchement, on aura fait des games assez chaudes. Hein. Il a bien joué la petite tape attaque, là. Voilà, parfait, ça. Ok. 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 En fait, j'aurais pas dû mettre le main maintenant parce que là j'ai fait nappe, mais bon, c'est pas grave. Je croyais avoir déjà perdu un perso, mais en fait non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Au moins j'ai récupéré un peu de points de vie. Parfait, ça. Encore la cover de Trunks. Putain, il m'en a calé 3 des covers de Trunks. Ok. Pas mal, ça. Il joue bien, hein. Franchement, il joue bien. Ok. Oh, j'ai réussi à le sauver. Parfait, ça. Ish. Là, il mange. Là, il mange. Hein. J'aurais dû le terminer en tap attaque. Bon, c'est pas grave, je fais quelques petites erreurs, mais bon. Pour l'instant, ça va. Non. Non, 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 monsieur. Ok. Eh oui, KO. Ok. C'est pas terminé. Il s'est fait avoir. Parfait. Alors ça, par contre, ça, c'est parfait, les frérots. Ish. Je le finis direct. Voilà. Pa, ce qu'on est en train de faire comme game, là. Ish. On est pas mal, les gars. Franchement, c'était pas mal, hein, parce que c'était loin d'être gagné. Et puis, bah, on a pu voir un Trunks, voilà, même en face, là, vous avez vu les covers, tout ça. C'est fort, franchement, le Trunks LF, il est vraiment très fort. Il est pas évident à jouer, par contre, attention. Il est loin d'être évident à jouer. C'est pas facile, c'est pas simple, mais je trouve qu'il a quand même une mécanique intéressante. Complexe, mais intéressante. Voilà. Il n'est pas simple à prendre en main, mais une fois que voilà, vous êtes un peu habitué, bah, je trouve ça plutôt pas mal. Et après, forcément, le mieux, c'est de le jouer comme j'ai pu le faire lors de la première game en lignée royale de Vegeta, parce que du coup, il récupère de la régène, 25% de régène. Mais après, on peut quand même le voir, même s'il n'a pas ses 25% de régène, il est quand même intéressant au sein même d'une team métisse.
accompagné du Trunks, voilà, Zenkai qui va venir un petit peu le booster, le Trunks Zenkai de type bleu. Donc voilà, en gros, voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à liker, à commenter également, savoir si vous avez vu aussi le Trunks. Puis bah, on se retrouvera prochainement, demain 20h déjà sur la chaîne de Twitch. Mais également les amis, il y a un gros duel invocation qui va se préparer contre le frérot Daimao qui sortira samedi matin sur la chaîne YouTube. Je compte sur vous, on essaiera d'aller chercher le duo de Goku et Vegeta Blue, Legendary Finish. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!